I met your coach, Julie, and it was a coincidence. I'm sure it was a coincidence. And we spoke a lot about management, commandments, and so on. And we had together the idea to perform a weekend for to strengthen your cohesion. Speak about common stuff you've got between pro team and squad on the units, because we have a lot of common, because the human is the center of the excellency, the center of success. Il existe de nombreux parallèles entre les sportifs de haut niveau, surtout les équipes collectives, donc l'équipe basket, de foot, de rugby. Et puis l'idée nous est venue avec Julie, on s'était rencontrés à Mont-de-Marsan, et on avait discuté justement de comment on manage les équipes, comment on recrute les nouvelles joueuses, comment on les fait progresser, comment on fait de la cohésion, etc. Et donc ça nous semblait intéressant qu'il y ait cet échange qui soit concrétisé aujourd'hui sur la base de Mont-de-Marsan. Vous partagez. Eyes can see around, so there's a difference between the two things, and then you begin to get. Non, je protège le pays, je protège le pays. Ouais. C'est vous habiller avec un pantalon, une veste. Super. On va faire déjà deux équipes. On va sortir la tente qui est dans le camion pour ce soir. Hein? Pour moi? Pour qui? Et pour vous? Je suis sympa. Attends. Parce que moi je dors dans l'abri là à l'arrache, mais vous dormez en tente. Je suis empêché. Bah alors là tu vois, je suis totalement dans mon élément. Survie en nature. Genre, il va falloir tuer des animaux. Bah 54. Donc j'ai tué canard. Donc maintenant, on m'a dit que vous avez fait le simulateur. Il y en a qui se sont crachés. Donc en fait, on est dans le mode de l'éjection. Vous êtes éjecté et vous êtes arrivé à un endroit. Se protéger. D'accord. Se protéger parce que ben, il faut réussir à dormir, se protéger des ennemis et se protéger des animaux suivant où on atterrit. On va trouver. Bah sinon, l'histoire du SOS en vrai. Ouais, du SOS. De toute façon, on peut l'écrire. Mais qu'est-ce qu'elle va vous détruire ma nature? Non, mais laisse-moi trouver, je vais trouver. L'idée, c'est opérer. De montrer, de mettre des signes pour que. Les gens comprennent qu'on est par là. Donc l'idée, c'est de faire, par exemple, des flèches, de faire des, comment dire, des espèces de, je sais pas comment on pourrait dire ça, parce que vraiment, j'ai pas du tout les termes. Mais du coup, vous, avec ton équipe, vous avez trouvé une idée quand même? Ouais, on y travaille quoi. C'est pas, on n'est pas trop encore dans l'instant survie. C'est pas. On n'a pas la mentalité encore, on ne se sent pas encore en danger, donc c'est pas facile.
T'as beaucoup travaillé, Lydia. C'est y a un kiné qui arrive te masser. Ça, c'est la grosse armée, ça. Voilà, je suis mes heures. Et 5h30. C'est le code secret, le numéro secret de notre équipe pour nous retrouver. Là, franchement, si quelqu'un le voit, il est fort, non? Parce que là, au moins, il va être attiré par ça, et là, il va regarder et il va voir le 30. Tu vois ce que je veux dire? Un autre SOS? Plus loin, non? Pas très discret. Ah, j'aime beaucoup la flèche, là. Donc, vous allez nous présenter à tout le monde ce que vous avez mis en œuvre pour qu'on puisse venir vous chercher. Du coup, on a mis ça en place là pour que ce soit visible au premier abord. Et donc, comme ça va attirer l'œil, ils vont venir et ils vont voir qu'on a écrit 30 au sol, donc le numéro de notre compagnie. C'est difficile de se projeter en l'air, mais même votre SOS, un hélicoptère va le voir. Un avion, si vous êtes à 5000 pieds, il ne le voit pas. Il voit des branches. Voilà. Donc, ces petits trucs, il faut vraiment, même si vous le trouvez grand là, il faut le faire, mais vraiment big. Voilà. Les petits trucs, ça se mélange malheureusement trop avec la nature. Alors, on va faire l'autre groupe. Sachez que lors d'une éjection, normalement, il y a le parachute. On peut découper la toile de parachute parce qu'il ne sert qu'une fois. Donc, le parachute, il est orange et blanc. Et on va se servir justement de ces codes couleurs pour orienter. Alors pour commencer, on a mis une flèche pour montrer la direction, pour dire une alerte. Donc elle est assez grosse pour qu'un hélicoptère nous voit et pour savoir qu'il y a un truc qui se passe vers là-bas. Ensuite, nous avons mis une flèche en hauteur à la taille humaine pour dire, ben, comme elle traîne toute seule, c'est que quelqu'un l'a posée ici du coup. Ça, c'est intelligent, pour les moyens aériens, souvent c'est les moyens qui viennent vous chercher, rien, à exception de la grande flèche. Après, il y a pas mais nous, on est très écolo, donc on n'avait pas envie d'avion. Dang, it's like a suicide. It's like suicide. Ah oui, il y a toutes les doigts là-dessus. Ah ouais. Donc là, il va falloir préparer le feu pour manger ce soir. D'accord. Donc ça va être mieux que c'était sommaire, mais on mange vraiment ici ce soir. C'est pas une blague. Vous avez donc fait tout ce qu'il faut pour faire
voir du ciel et de la terre, de prévoir le feu pour vous réchauffer et puis pour surtout manger. Et puis ben, après, il faut aussi avoir le point d'extraction, d'accord ? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que par groupe de trois, vous allez partir à chaque fois d'ici. D'accord ? Battu, on part toujours d'ici. Il y a quatre balises à trouver. D'accord ? Écoutez bien, parce que si vous loupez des infos, ça peut pas marcher. Ok ? Par groupe, vous allez avoir une plaquette. Dedans, vous avez un stylo, une balise. Et un carton de contrôle. Vous en avez quatre cartons de contrôle. Non. Shana, can you please explain? Ça paraît compris? Alors, je vais vous expliquer comment on utilise la boussole. C'est le nord. Donc là, par exemple, je dis une bêtise. Les filles, quand vous êtes comme ça, après, mettez-vous toujours. Et quand vous marchez, voilà, c'est cette ouais. Quand vous avez superposé là, c'est la flèche directrice. Ouais. This one, but according to this one is on the land. Allez pas là, hein, sinon vous irez toujours au nord. En fait, ça c'est les coordonnées qu'on va trouver. Comment c'est plus loin. C'est quoi la verte? C'est la bleue. And then 90. Yeah, but now we need to do this at the balise. Here, that 6 is middle, 7 is too low. Le 2. C'est toi. Ah oui, moi c'est bon. Le 3. 4. Ouais. Il est bon ou pas? Ouais. Ouais. 4. C'est moi, il est bon. C'est 2, 6, 4, 9, 10. 5. Ouais, mais t'es vraiment au bon endroit. La première balise, c'est bon. Allez, suivez-moi. Yes. All the numbers. I think so. 5 yes. 6 yes. Ah, j'ai chaud. Je suis en tachycardie. 9. 9, il est bon. 10, il est bon. 11, il est faux. Ah, autant avoir l'air con. Alors, c'est mardi. On repart. Deuxième balise faite. Elles veulent pas tricher. C'est pas marrant. Allez, on va à la troisième. Bye bye, je vous laisse. Oh, il est là, oh là là, je m'en rappelle plus. 1, 2, 3, 4 au coin. Eh, ça donne faim, hein. Dernier, rouge. Ouais. C'est là? Moi j'ai un 2. Ouais, le 2. Eh, hey, tu vois, c'est pas vous. Quoi? Hein? Le 2? Non, regarde. On m'a mis avec les filles qui courent le plus vite. Chaud. Non, il est dans le truc. Voilà, ok, carrément. Ouais, alors, il est dans le... Voilà. Là, et ça, là, il est bon. Et là aussi. Là, il était là. Moi, j'en suis sûre. C'est non, on n'a pas dit la tourterelle. On cherche un hélico. Je dirais, c'est chaud. Parce qu'en fait, il y avait des balises. Non. On avait pris à chaque fois 4-5 numéros chacune. C'est Julia qui est si blanche. Donc, il faut se... C'est avec Shona. Ouais, à droite. Chaud, Lydia. Et du coup, on a dit c'était vrai ou faux. Donc, dans chaque carte, on verra qui s'est trompé. Et celle qui se trompe le plus, perd un coup à boire. Ouais, super. T'as un peu essoufflé? Non. Vas-y, viens, on se compare. Allez. Non. On s'en fout, comment tu fais pour savoir si t'as juste ou pas, connasse? Elle est con, hein. On n'est pas du tout d'accord. Ouais. Hein. Avant de retraverser pour aller vérifier l'autre. Ah non, le 4, je suis sûr qu'elle était pas bonne. Il est red. Qu'elle était bonne, la 4. Elle est bonne, c'est nous. Mais c'est eux qui se sont trompés, c'est pas. Ouais, ouais, la 4, elle est bonne. Ouais, c'est très bien. Ouais. Super. Ok les filles, allez, déjà, l'objectif de cet exercice, c'était quoi? C'était d'être en équipe et de rester en équipe, de voir comment vous vous organisiez dans chaque groupe, vu les tâches qu'il y avait différentes à faire. C'est pas ça? C'est la cam pour le corps. Ouais, c'est ça. Quand on va vous faire cramer, vous allez voir. C'était un bon moment, on a bien rigolé, on a découvert la ville de l'armée de l'air. C'est ça. Voilà, on est venu dans des conditions de rescousse et de comment on peut appeler ça en... Keep going. My favorite thing today was shooting.
we learned how to shoot. Ah oui, oui, oui. Sauvetage. It was really cool to try some of the different activities, and then we split up into teams and did some like team bonding things. So it was cool. It was a good day. Je vous explique le programme de la journée. Ça a duré 5-10 minutes, on va faire ce qu'on appelle un petit réveil musculaire qu'on fait de temps en temps au personnel navigant. Après, on vous montre nos infrastructures, vite fait, sportives. Et après, on va aller voir les cynophiles, donc les chiens. On va faire un petit peu de combat, vous montrer ce que c'est. Vous allez pouvoir tirer avec de l'airsoft. Après, on ira l'après-midi chez les pompiers. Ils vous ont prévu un petit parcours. Et on finira par du sauvetage aquatique pour vous montrer les petits canaux de sauvetage qu'ils ont dans le siège. On va se tirer dessus ou... Ah oui, bien sûr. Oh yeah. Non. Non. Ah, chargeur avec billes. C'est simple, vous allez juste l'enfoncer jusqu'au clic. Pour l'enlever, vous avez le bouton ici. Vous avez juste à appuyer et le chargeur tombe. Je t'ai pas vu, j'allais dire un peu d'eau. Et après, au niveau de première règle, ne jamais garder, comme j'ai dit, le doigt toujours hors de la queue de détente. Jamais comme ça, parce que le coup peut partir très rapidement. On est surpris, il y a quelqu'un qui nous crie dessus, hop, on tire. Moi, je suis à l'envers, en fait. Ok. Vous tirez pas à 2 mètres quand vous êtes là, vous faites pas feu dessus. Ah, vous faites pas à bout portant, quoi. Venez chercher les protections. Donc ça, c'est pour le... Et après, les lunettes. Merci. Oh man, this is too close to my face. Voilà, moi tout à l'heure c'était le chien qui était. Ça va, Kendra? Oui. Ah. Pas bien de partir. En train de penser. Ouais, bah, oh, bon. Allez, on prend le. Allez, on s'arrête. Ouais, c'est tout petit pour viser. Ah, grave. Vous avez compris. Mais c'est pas du tout ça, c'est j'avance. J'avance. J'ai même pas visé. Non, on est pas loin. Franchement, vous pouvez m'appeler Lara Croft. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Objectif pour chaque équipe, ramener la chasuble de l'autre. Donc chacun doit garder son territoire, mais progresser pour aller dans le camp ennemi et récupérer la chasuble. Donc votre zone d'évolution. Ça, j'ai la tête à placer en plus. Voilà. Est-ce que ça me va bien? Et du coup, quand c'est un 3, j'en ai reçu dessus. Mais il faut que vous alliez chercher l'autre. Allez, let's go. Allez, va. Oui. Voilà une stratégie. You want inside both of us? Or just one? C'est hyper chaud. Oh, touché. Touché qui? On protège mille. Because like this, you have one hand. And you can shoot with your gun. You're coincé? Moi je suis morte 3 fois, mais plus par mes copines quoi. Elles m'ont foutu sur le brancard. Ah oui, mais tu m'as vu ou pas? Non, moi elles ont posé le brancard sur un tronc d'arbre. Impeccable, donc j'ai été comme ça. Moi elles ont. Ça va, pas de blessés? Ouais. Un petit peu. Non, mais au moins c'est qu'elle a pris une balle dans la tête. Ah, mais là elle est morte de suite. Alors, le repas ce midi, c'est ce qu'on appelle les rations de combat chez nous. There is duck, you know. Ah, la pompette.
Jean, tu peux te faire du thé, j'adore. C'est quoi ça? Les dates. Bien, les dates. Alors sachez que l'oration, quand on part sur le terrain, les autres pays les préfèrent. Pour chauffer. Comment on dit la graisse Première. Là on n'allait pas partir jusque là. Oh qu'est-ce que tu peux pas manger dans ton cas, regarde pas. J'ai pas eu le cas à ce moment-là où j'ai fait le. Il y a beaucoup de personnes qui veulent une contrepartie. Bon déjà, bonjour à toutes. Pour nous c'est un plaisir et même un honneur de vous recevoir. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à vous voir jouer soit à la télévision, soit venir vous jouer dans la salle. Là c'est un plaisir de vous recevoir chez nous. A savoir que toute l'année, 24h sur 24, 7 jours sur 7, on est présent pour assurer la permanence et la sécurité des vols. Quoi vous dire de plus, c'est que... Donc nous, notre spécificité, c'est qu'on est pompiers militaires, au même titre que vous connaissez peut-être les pompiers de Paris ou les pompiers de Marseille. Nous, on est pompiers militaires de l'armée de l'air. On est présents sur toutes les bases aériennes et sur tous les théâtres à l'étranger où se trouvent des avions français. On vous a proposé un petit parcours. Alors c'est un parcours que nous, on doit réaliser tous les ans de façon individuelle pour pouvoir garder l'aptitude à être pompier. Si on fait échec à cet exercice-là, on peut plus garder, on peut plus rester opérationnel. Les jeunes là, les jeunes ce matin, ils ont cogité à ça là pour vous faire un petit truc sympa. Sympa, vous n'allez pas vous blesser logiquement, tout devient se passer, c'est pas le but. On va le faire par binôme. Et une fois que les deux groupes de 6 sont faits, on fait 3 binômes de 2. C'est pas mal là. C'est bon, ouais, non, mais je réfléchis juste avant de le dire. Et je me rends compte si je dis pas de conneries. Et là, on le divise par. Et ensuite, on vous explique le parcours. On met un petit chronomètre histoire de booster la chose. Ok. Et puis ça devrait bien se passer. On devrait rigoler, je pense. Attention à Juju qui va balancer de l'eau. Bon, ça vous a plu? Ouais. Ouais, c'était ludique. C'était le but de vous présenter un petit peu qui on est, vous montrer ce qu'on fait. J'aimerais bien vous montrer, si ça vous dit, vous montrer les engins aussi. Ah, tu veux dire par rapport à ceux qui font les performances et tout? Oui. Non, ça c'est les complètes en fait, ça rien. Ok. Ah, c'est bien. C'est bon? Allez, dans les camions. Merci beaucoup. Merci. Bonne baignade. Merci, Lézis. Un petit coup de jet avant de partir. Nickel. Oh, mais là, dans l'eau à 21, ça va être bien. Vous dans l'eau là? Ah, ouais, qu'à 21. Mais non. C'est pas les choses. Ouais, mais quelques petits rappels, quelques informations sur la survie, très rapide. Et après, on vous mettra dans l'eau. Petite traversée. J'embarque dans l'embarcation. Non, alors ce qui se passe, c'est que ça s'est accroché sous voile. Et dès qu'il est ouvert, l'embarcation se gonfle. C'est une combinaison étanche en fait. D'accord. Donc dès qu'ils survolent un terri, je vais aller me noyer. Il n'y a que de l'eau. Ils sont obligés de la mettre en voile. Ah, mais c'est lui qui va tout seul. Et maintenant, regardez comment elle fait. Voilà, vous faites ça. Voilà.
Ben alors ? C'est bon ! C'est bon. Pour que, comme on voit depuis tout à l'heure, il faut garder la température de 37 degrés. Et regarde, t'as pas besoin de bouer toi, Juju, c'est bon ? Je peux pas, j'ai des... I'm the shark! Toujours attaché à nous. On a deux qui veulent venir. Après, c'est la bagarre. Bon, ben, c'est la Nicolas. Hein. Allez. Allez, 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 elle est hyper bonne. Non, ah ouais, elle est pas trop fan. Moi, j'aimerais juste un petit débrief, ce que vous avez pensé de ces rares qu'on fasse ça. Et j'aimerais votre ressenti en tant que sportif de haut niveau, d'avoir être venu déjà sur une base aérienne. C'est pas tous les jours que les personnels civils peuvent accéder à l'ensemble de ce que vous avez vu. Ça reste un petit peu un milieu réservé. Et savoir ce que vous avez pensé de ces deux jours, cohésion, leadership un petit peu. C'était bien, des fois même un peu frustrant parce qu'on commence à s'habituer à l'activité, on doit passer à une autre. Par exemple, le tir, j'étais super nulle, alors j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir... Non, mais pas celui avec les lasers. Voilà, et aussi les billes, j'ai bien aimé. Mais bon, j'ai tué des gens, donc je suis contente. Enfin, tuer des gens, c'était bien un grand mot. Toucher des gens. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir vos spécificités, tout ce que vous mettez en place pour être voilà, au top de ce que vous faites. Il y a plein de similitudes, comme on a vu dans la première présentation. Il y a vraiment beaucoup de similitudes entre votre monde et le nôtre. Et comme l'a dit Mep, on passe devant, on entend voilà, les rafales régulièrement et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, on a eu l'occasion de venir en interne. Et c'est chouette, je pense un peu à nous, quand les gens viennent voir, viennent nous suivre dans une journée ou dans une semaine. C'est, pour eux, c'est fou, alors que bon, nous, c'est notre quotidien. Donc, je pense que pour vous, c'était simple de nous communiquer tout ce que vous faites. Mais nous, on en a pris plein les yeux. Il y a plein de choses. Enfin, j'ai posé plein de questions à la con, toujours. Mais voilà, c'est hyper intéressant de voir un petit peu votre environnement. Et donc, merci de nous avoir accueillis. Et peut-être, on reviendra, quoi. Maintenant, je sais amérir. Simulateur, donc si j'ai un problème grâce à vous, j'arriverai à atterrir. Je sais survivre dans l'eau, hyper bien, merci. Donc voilà, donc vous remerciez pour toutes ces situations-là, j'espère qu'on les utilisera pas par contre. Parce que là du coup j'aurais quand même fait une crise cardiaque avant tout ça. Mais voilà, vous remerciez. On vous invitera évidemment sur nos matchs. Antoine, quand il aura passé une bonne nuit, prenez vos coordonnées. Bon bah pour conclure, moi je suis très content que cette journée soit bien passée et à vos mines, je comprends avec vos sourires, je pense que ça vous a plu, même si vous n'avez pas été très disserte sur ce que vous en pensiez, mais néanmoins, moi je suis très content. En tout cas, je suis content si pour vous ça correspond à ce que tu attendais, Julie, en termes de cohésion. Nous, c'était l'objectif, hein, c'est que vous puissiez vous retrouver toutes ensemble avant le début de saison, dans un contexte qui est très différent de l'environnement que vous connaissez habituellement. Avec un deuxième objectif qui était pour moi, depuis que je suis arrivé depuis un an, c'est essayer d'ouvrir la base un maximum vers l'extérieur. Alors, on ne peut pas le faire de façon très facile. Néanmoins, sur des petites choses ponctuelles comme ça, on peut le faire. Et on peut s'appuyer sur des personnes comme vous pour ensuite relayer un peu notre message, dire voilà, l'armée, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez eu un petit extrait, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous connaissez, vous ne connaissez pas tout évidemment, mais au moins vous pourrez dire que c'est pas. Enfin, vous pourrez au moins donner votre impression sans vous influencer. Hein. C'est pas du tout faire de prosélytisme, rien du tout, c'est pas du tout l'objectif. C'est juste informatif, vous prenez ce que vous voulez. Sachez, enfin, je pense que vous avez bien compris que c'est un milieu qui est, comme vous, très professionnel, très rigoureux, où on vise forcément l'excellence parce que les conséquences peuvent être dramatiques, ça vous le savez. Et donc c'était un peu vous faire toucher du doigt toutes ces choses-là. Et finalement, ce que je disais hier, je le reprends aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on met de l'humain au centre de la réussite, que ce soit d'une mission, d'un match, d'une saison ou quoi que ce soit, finalement ce sont les mêmes choses qu'on est obligé de mettre en place pour que les individualités passent derrière et que le collectif prenne le dessus sur l'ensemble. Alors pour nous c'est plus facile hein, parce que nous c'est la défense de la France, c'est des intérêts qui nous dépassent très largement et l'intérêt de la mission nous dépasse très largement. Néanmoins,
Faut quand même que moi je le rappelle régulièrement à d'autres personnels, parce qu'à partir du moment où ils rentrent dans une routine, et je pense que c'est un petit peu comme vous, quand on rentre dans notre milieu, dans notre routine, on se rend plus compte du milieu dans lequel on évolue, on se rend plus compte que c'est la routine, et finalement on perd un petit peu le sens de tout ça, donc régulièrement il faut le rappeler. Et pour nous, un pilote de chasse qui rentre dans la routine, c'est très dangereux, parce que ça veut dire qu'il est moins attentif, et quand on est moins attentif dans un avion qui va à plus de 1000 km/h, et ben ça c'est pas possible. C'était très très bon hier le...